Akasakunayu anabelayu popoglelourukaiakamu akasakunayu anabelayu popoglelourukaiakamu. Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Amis de la Côte d'Ivoire qui avez choisi de vous installer en Côte d'Ivoire et qui avez fait de ce pays le vôtre, je vous dis bonjour. Cette chanson que je viens de chanter est en godier de Fresco et elle dit que nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes à l'étranger ici-bas. Un jour viendra où nous repartirons. Un jour viendra où nous laisserons tout ce que nous avions pour partir. La poussière vient de retomber sur la fête de la liberté du Front populaire ivoirien organisée à Dioukoué. Et j'aimerais adresser un message à M. Ahmed Bakayoko, qui est ministre d'État, ministre de la Défense, député de Séguéla et maire d'Aboubou. Mon message s'adresse également à Mme Kone Marieto, ministre de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Puisque je parle de Dioukoué, donc forcément je vais faire allusion à des décès. J'aimerais, en tant que simple citoyenne de mon pays, observer une minute de silence pour tous ceux qui ont perdu la vie depuis la nuit du 18 au 19 septembre 2002 jusqu'à ce jour dans le cadre de toutes ces crises, de ces tentatives de coup d'État, de ces rébellions, toutes ces personnes connues ou inconnues qui ont perdu la vie dans ces crises occasionnées par nos choix politiques. Monsieur Ahmed Bakayoko et Madame Kone Marieto, vous étiez à la commémoration de la mort des 7 femmes d'Aboubou le 3 mars 2019 à Aboubou. Vous avez déposé au nom de l'État de Côte d'Ivoire une gerbe de fleurs aux couleurs de la Côte d'Ivoire sur le lieu où ces femmes ont été tuées du fait de nos choix politiques. Et vous avez tenu des propos que je vais lire intégralement pour ne pas enlever un mot, pour ne pas ajouter un mot, pour ne pas essayer de traduire un mot. Monsieur Ahmed Bakayoko, voilà les propos que vous avez tenus le 3 mars 2019. Je demande à la classe politique de ne jamais oublier les souffrances que les Ivoiriens ont endurées pendant la crise post-électorale. Je leur demande de ne jamais oublier les victimes de la crise et d'œuvrer pour la paix, la réconciliation, le pardon et la cohésion sociale. C'est ce que vous avez dit ce jour-là, Monsieur Ahmed Bakayoko. Madame Kone Marieto, en tant que ministre de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, voilà les propos que vous avez tenus. C'est vrai, la réparation permet de soulager les douleurs, mais elle ne donne pas la vie. C'est pourquoi nous sommes tous invités à œuvrer pour la paix et la réconciliation.
Nous n'avons pas le droit de léguer un pays en lambeaux à nos enfants. Nous devons placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts personnels. Soyons tous des artisans de paix pour conduire notre pays vers l'émergence. Voilà les propos que nos deux ministres ont tenus lors de la commémoration de la mort des sept femmes d'Abobo pour la 8e année consécutive. Dans la chanson que j'ai chantée, j'ai dit: nous sommes étrangers sur cette terre, nous sommes de passage sur cette terre. Forcément, un jour viendra où nous allons partir. Monsieur Ahmed Bakayoko et Madame Kone Marietou, vous parlez de paix et de réconciliation. Vous parlez d'actes que nous devons poser. Monsieur Ahmed Bakayoko, vous demandez aux gens de ne pas oublier les victimes de la crise, de ne pas oublier les souffrances des populations. Mais vous ne faites que célébrer les sept femmes qui sont mortes à Abobo. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que ces sept femmes-là seulement qui sont mortes du fait de ces crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire ou même pendant la crise électorale, post-électorale? C'est seulement ces sept femmes-là qui ont perdu la vie? Vous parlez de cohésion sociale, vous parlez d'actes qu'on doit poser. Mais vous posez un acte dans un seul sens. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui s'est passé à Guitrozon. Bon, ça, ce n'est pas la crise pour l'espace électoral, je suis d'accord. Vous savez ce qui s'est passé à Naïbli. Vous savez ce qui s'est passé à Carrefour, Dioukoué. Pourquoi est-ce que vous n'en faites jamais cas? Madame Kone Marietou, vous parlez de. Vous êtes ministre de la cohésion sociale. Si vous, quelqu'un vous a fait mal dans une affaire, et qu'on ne tient jamais compte de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu pendant ce conflit ou bien pendant comment vous allez vous sentir? Il n'y a que les sept femmes-là qui sont mortes dans cette crise post-électorale. Jusqu'à le gouvernement va aller faire une commémoration pour ces sept femmes-là avec une gerbe aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Et les autres, ceux qui sont morts dans l'Ouest, et plusieurs autres. Pourquoi vous ne faites pas une commémoration générale qui prend en compte tous ceux qui ont perdu la vie? On ne connaît, y a eu plus de 1 000 disparus dans l'Ouest. Donc pourquoi ne pas faire une action commune et vous focaliser seulement sur les sept femmes d'Abobo? De quelle cohésion sociale me parlez-vous? De quelle population me parlez-vous, monsieur Ahmed Bakayoko, quand vous dites il ne faut pas oublier les souffrances des populations de la crise post-électorale? Donc c'est seulement les gens d'Abobo qui ont souffert de cette crise. Ne faites pas deux poids, deux mesures. Ne faites pas deux poids, deux mesures. Des gens ont perdu la vie dans ces crises. Mettez-les tous dans le même dans le même registre. Et si vous voulez organiser une action gouvernementale, tenez compte de tous ceux qui ont perdu la vie, pas seulement d'une catégorie de la population. On ne demande pas de dire, là, là, qui a tué, qui. On sait que les gens sont morts, on le sait. On veut apaiser les cœurs. Posons des actes de rassemblement au lieu de poser des actes de division. Parce que selon ce que vous faites là, il n'y a que sept femmes qui sont mortes dans cette crise. Pourtant, on parle de 3 000 morts. Et les 2 993 autres, qu'est-ce qu'on en fait? Où on les met? Dans les pertes et profits? Non. Non. Nous ne devons pas laisser à nos enfants un pays en lambeaux. Commencez par poser des actes rassembleurs. Commencez par poser des actes d'apaisement. C'est vrai, ça ne va pas ramener les gens à la vie. Ça, c'est sûr, on est tous d'accord là-dessus.
mais poser un acte national pour toutes ces morts. Peu importe d'où elles viennent, peu importe qui elles sont, peu importe où elles ont été, peu importe les conditions ou les circonstances qui ont amené à leur décès. Poser un acte national. Ça va être le début de la réconciliation dont vous parlez. Parce que nous, les Ivoiriens, je vais dire en général, ils vivent au quotidien les uns à côté des autres. Dans les quartiers, dans les marchés, dans les entreprises, dans les bus, dans les taxis, dans les woro-woro, dans les gbaka. Les Ivoiriens se côtoient au quotidien. Mais il y a des actes qui ont l'air de rien, mais qui valent leur pesant d'or. En 2020, là, le 3 mars 2020, ou bien je ne sais pas quelle date, choisissez une date et commémorez la mort de tous ceux qui sont tombés. S'il vous plaît, commencez par poser un acte comme ça. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous catégorisez les victimes et ça, ce n'est pas bon pour la cohésion sociale. Madame Maritou, en tant que ministre de la cohésion sociale, ce n'est pas ce genre d'action que vous devez poser. Revoyez ça pour l'année prochaine. Ou même choisissez une date en 2019, je ne sais pas. Mais commémorez toutes les morts. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont morts dans l'Ouest, mais vous n'en parlez jamais. Un petit acte, un petit geste de vous, de cette part, va mettre un petit baume sur le cœur des victimes, sur le cœur des survivants, sur le cœur de ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette crise et qui ont l'impression d'être laissés pour compte. Non, que dis-je? Qui sont laissés pour compte dans cette affaire. Alors, c'est le message que j'avais à vous donner par rapport à ce qui s'est passé la fin de semaine à Dioukoué. Moi, je m'inscris dans une action nationale. Les morts de Dioukoué, tous les morts de l'Ouest, ne sont pas les morts du FPI. Ce sont des Ivoiriens qui ont perdu la vie dans des conditions atroces. Pensez-y. Si vous voulez vraiment parler de cohésion sociale, et si vous avez en tête que nous partons pour tout laisser ici, laissez vos traces pour qu'on se souvienne de l'acte que vous aurez posé pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. N'oubliez pas. Akasakonayo Anabela yo pupuglurukaiyakamu akasakonayo Anabela yo pupuglurukaiyakamu. Poser une action pour toutes les morts qui sont survenus en Côte d'Ivoire depuis. Il y en a eu un peu partout, et vous le savez. Alors posez un tout petit geste. Ça va apporter un baume au cœur des gens. Merci.